Bienvenue sur la chaîne si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui. Bienvenue également à ceux qui sont là depuis longtemps déjà. Aujourd'hui les amis, on va découvrir une autre affaire dans le bureau des investigations, l'affaire Anna Kriegel. J'ai fait l'erreur la dernière fois, dans la dernière vidéo, de ne pas vraiment faire de recherche avant de me lancer dans le tournage. Grosse erreur qui m'a fait déprimer puisque j'ai passé plusieurs heures à faire des recherches. Je ne préfère pas vous montrer le côté douloureux de ma vie. Mais aujourd'hui j'ai décidé, parce que aussi j'avais envie d'approfondir un peu plus l'affaire, de faire des petites recherches avant de faire le tournage. C'est un peu plus intelligent, je trouve. Je trouve que c'est mieux. Aujourd'hui, on parle d'une affaire qui va encore une fois toucher des adolescents, moi je dirais même des enfants, et ça va encore une fois vous dégoûter de la maternité. Mes ovaires se portent très bien sans enfants pour l'instant. J'ai donc tiré au sort l'affaire Anastasia Kriegel, et c'est une affaire... On n'aurait pas pu faire pire, vraiment. Avant que vous n'alliez plus loin, sachez que cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Ouais, je suis bizarre, je sais, mais parfois... On doit faire des choses. C'est le moment de vous présenter ou de vous représenter Night City TV, notre plateforme de VOD axée crime, paranormal, mystère, souffrance humaine, enfin bref, tout ce que vous appréciez quoi. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on vous a concocté avec Alchimie une offre annuelle à 29,99€. Ce qui veut dire que déjà vous ne payez qu'une fois dans l'année, mais surtout vous obtenez 50% de réduction. Théorie du complot, horrible école pour garçons, documentaire poignant sur des adolescentes en fin de vie, nous faisons tout pour vous proposer des documentaires qui colleront à vos goûts, même si parfois c'est franchement dérangeant. Le lien de Nighty TV est comme toujours le premier dans la barre d'infos, et allez-y, vous m'en direz des nouvelles. En mai 2018, le peuple irlandais s'émouvait du décès d'une toute jeune fille de 14 ans, Anastasia Kriegel, appelée Anna par son entourage. Un beau jour de printemps, un jour plutôt agréable, Anna a lancé un dernier sourire à son père et a disparu. Trois jours plus tard, son corps a été retrouvé dans une maison abandonnée à l'est de Dublin. C'était vraiment un meurtre choquant, un meurtre de sang-froid, un meurtre qui a bouleversé le pays et la presse locale, notamment à cause de l'âge des coupables. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est réellement passé le 14 mai 2018? Eh bien, on va le découvrir ensemble. Parlons d'abord d'Anna, Anastasia Kriegel. Anastasia, ça vous rappelle un pays peut-être? En effet, Anna est née en Russie, dans la ville de Novokouznetsk. Et deux ans plus tard, elle a été adoptée par un couple franco-irlandais, Géraldine et Patrick Kriegel. Alors il faut savoir que Géraldine et Patrick, ils n'ont pas pu avoir d'enfants, naturellement, et donc ils ont attendu très longtemps, le processus d'adoption peut être très long, vous le savez peut-être, hein, pour pouvoir enfin avoir un enfant. Ils étaient ravis d'apprendre qu'une petite fille les attendait en Russie, et ils étaient tellement heureux qu'ils avaient peur de subir un ascenseur émotionnel. Donc pendant très longtemps, ils n'ont rien dit à leur famille, à leurs amis, ils préféraient attendre d'être sûrs pour en parler. Un détail que je trouve très mignon, c'est que ses parents ont tout fait pour qu'elle garde une partie de sa culture russe, ils n'ont pas changé son prénom par exemple. Ce qui est bien, c'est que Anna connaissait son histoire, ils ont été honnêtes avec elle dès le début, et c'était des très bons parents, des parents très aimants. Du coup, Anna a grandi dans un environnement super sympa, très aimant, elle adorait regarder des films avec sa mère sur le canapé, en mangeant du pop-corn, elle s'entendait aussi très bien avec son père, vraiment, ils avaient de très bons rapports. Mais Anna a eu beaucoup de problèmes de santé, hein. Elle a eu une tumeur à l'oreille droite, et donc ça l'a rendue à moitié sourde, mais aussi, elle avait des problèmes de vue et de mémoire à court terme, donc c'était une petite fille un petit peu abîmée par la vie. Et vous le savez bien, quand on est un peu différent des autres, c'est assez difficile de s'intégrer à l'école primaire, mais aussi et surtout au collège. Et du coup, dans les articles que j'ai pu lire, les parents d'Anna la décrivent comme une jeune fille très innocente, très sensible, très naïve aussi. Bien sûr, elle était jeune, elle avait 14 ans, mais elle était particulièrement naïve. Elle était enthousiaste à l'idée d'aller au collège, mais ses parents et ses professeurs étaient inquiets. L'institutrice d'Anna a dit à Géraldine et à Patrick qu'elle était terrifiée pour elle, car elle était si innocente, elle craignait que d'autres élèves n'en profitent. Et en fait, elle n'avait pas vraiment beaucoup d'amis, hein. Ses meilleurs amis étaient ses cousins. Bon, mes meilleurs amis sont mes cousins et mes sœurs aussi. Mais son cas était un peu particulier puisque c'était ses seuls amis, c'est-à-dire qu'à l'école, elle ne s'intégrait pas du tout. Du coup, les premières années de sa vie, qui étaient plutôt sympathiques, avec des parents très aimants, ont laissé place à une période de la préadolescence qui était très mouvementée et très sombre pour Anna. Donc Anna a fini par se faire harceler. Et en fait, les harceleurs n'ont même pas attendu qu'elle commence l'école. Pendant l'été qui a précédé la classe de 6e,
Anna a été harcelée en ligne par des élèves de 3e année qui lui ont envoyé des messages à caractère sexuel. J'ai essayé de chercher sur internet des petits témoignages, peut-être de camarades de classe, qui pouvaient un peu décrire ce harcèlement quotidien qu'elle vivait. Anna était moquée car elle avait été adoptée, mais aussi à cause de ses différents handicaps qui faisaient qu'elle avait du mal à communiquer avec ses camarades de classe. Mais surtout, Anna se faisait harceler sexuellement. Il faut savoir qu'elle était assez grande, elle faisait 1m73 et elle faisait bien plus âgée que ses 14 ans. Du coup, elle était souvent sujette à des insultes à caractère sexuel, elle avait aussi déjà une poitrine plus développée. Un jour, Anna a été suspendue de son collège après s'être dessinée un œil au beurre noir sur la paupière. Plus tard, sa mère dira que cela trahissait d'un réel mal-être qui la rongeait de l'intérieur. C'est super triste. Comme la plupart des adolescents de son âge, Anna avait plusieurs réseaux sociaux, elle avait une présence en ligne assez importante, assez forte, et j'ai pu trouver des captures d'écran de vidéos YouTube de Anna, mais je n'ai pas trouvé sa chaîne YouTube, je suppose qu'elle a été supprimée depuis. En tout cas, cette présence en ligne n'a fait qu'accentuer le harcèlement dont Anna était déjà victime. Et du coup, sa mère Géraldine a dit « Oh, 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 tu me passes ton téléphone portable, tu commences à être trop sur ton téléphone portable, à être trop déprimée, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans ta vie quoi. » Donc Géraldine a commencé à fouiller les messages de Anna, elle a réalisé qu'elle se faisait harceler, hein, qu'elle recevait des tonnes de messages pas très très gentils on va dire, hein, beaucoup de noms d'oiseaux, mais aussi elle a réalisé que Anna elle-même avait créé des comptes pour se harceler elle-même, un peu comme si elle avait assimilé son harcèlement au point de vouloir se faire du mal à elle-même. Et tout à l'heure j'ai regardé un petit reportage sur l'affaire et j'ai appris que ses parents l'accompagnaient au collège tous les jours, tellement ils avaient peur que leur fille se fasse harceler. Et bon, ça arrive de se faire accompagner au collège, mais si j'ai bien compris, bon, il accompagnait peut-être jusqu'à la salle de classe. Voilà, c'était quelque chose de cet ordre-là, quoi. Et du coup, très sincèrement, j'ai l'impression que le crime a un lien avec ce harcèlement, puisque Anna était considérée un peu comme un déchet, vous voyez, dans son école. Elle était la cible idéale. Du coup, arrive le jour fatidique du 14 mai 2018. Anna a rappelé à sa mère qu'elle avait besoin d'un mot pour sortir de l'école à 14h30. En effet, elle avait un rendez-vous avec le Kildare Youth Services où elle se rendait une fois par semaine. L'idée était qu'Anna déjeune à l'école avant de se rendre à pied à son rendez-vous. Mais elle a décidé de rentrer chez elle pour manger avant de se rendre à son rendez-vous. Après la consultation, elle est rentrée chez elle, a grignoté des chips et elle est dans sa chambre et elle a changé de tenue, elle a enlevé son uniforme pour mettre ses vêtements classiques. C'est à ce moment-là qu'elle a essayé d'appeler sa mère, mais lorsqu'Anna a appelé à 16h02, Géraldine était en pleine réunion et ne pouvait pas répondre. Vers 5h, un garçon qu'on va appeler garçon B est venu toquer à la porte des Cris et Gels. Je me souviens, dans le reportage que j'ai pu voir, on disait que son père avait entendu les coups à la porte, mais qu'il se disait que ça devait être le facteur ou un livreur, parce que Anna n'avait pas d'amis du tout, donc personne ne demandait jamais Anna à la porte. Anna et le garçon discutent brièvement, c'est visiblement un garçon qu'elle connaît du collège, le garçon part, et peu après, Anna vient voir son père pour lui dire qu'elle sort mais qu'elle ne rentrera pas tard, voilà. Donc il s'est passé un peu de temps, il est 20h et Géraldine rentre à la maison, et sa fille n'est pas là, ce n'est pas habituel. C'est même très étrange. Et elle s'inquiète vraiment parce qu'elle a raté un appel de Anna aux alentours de 16h. Et quand elle apprend que Anna a été vue pour la dernière fois avec le garçon B, elle est encore plus inquiète parce que, comme son mari le pense également, Anna n'a pas d'amis. Du coup, Géraldine panique. Elle appelle Anna, elle essaie de l'appeler, mais Anna ne répond pas. Et après ça, elle lui envoie un message. Elle lui dit « Réponds-moi maintenant ou j'appelle la police. » 3 jours après, le corps de Anna a été retrouvé. Ses vêtements sont en lambeaux, ils ont été abandonnés à l'extérieur de la maison. Et surtout, son corps présente des traces de coups. L'autopsie révélera plus tard qu'elle a succombé à un traumatisme crânien et de plusieurs blessures causées par des morceaux de bois trouvés un peu partout dans la maison. Et apparemment, Anna aurait aussi été victime d'abus sexuels. Presque immédiatement, 2 suspects sont appréhendés. Là où c'est très perturbant, c'est que ces 2 garçons,
n'ont que 13 ans. En tout cas, dès le début du procès, après les interrogatoires, les enquêteurs se sont rendus compte du fait que les deux garçons avaient deux versions totalement différentes. Le garçon B a dit que le garçon A lui avait demandé d'aller chercher Anna chez elle et qu'ils se retrouvent tous ensemble au parc Sainte-Catherine. Et donc, il l'aurait laissée avec le garçon A. Heureusement, il y avait des caméras dans le quartier. Et donc, les enquêteurs ont très vite remarqué que la version du garçon B ne collait absolument pas avec la réalité. Un fait quand même super surprenant, c'est que le garçon B est resté très calme pendant son interrogatoire et il avait l'air très mature pour son âge. Il employait des mots que des garçons de son âge n'emploient pas. Lorsqu'il lui demande s'il sait ce que veut dire être en état d'arrestation, il répondra d'un calme olympien: que vous me gardez pour quelque chose que j'ai fait ou que j'aurais pu faire. Les enquêteurs sont tout de suite étonnés par la richesse du vocabulaire de ce jeune garçon qui décrit avec précision la manière dont elle était vêtue. Avec du cuir synthétique. Malgré tout, les enquêteurs ne se sont pas laissés décontenancer, vous croyez quoi? Ils ont essayé d'entrer dans l'intimité de ce petit garçon. Ils ont essayé de faire ami-ami avec lui pour le faire craquer. L'inspecteur Dali a passé une grande partie du premier entretien à interroger le garçon B sur ses intérêts et ses loisirs. Il lui a par exemple demandé quel jeu vidéo il aimait, il a répondu Halo et Outlast, quel était son personnage Marvel préféré, il a répondu Deadpool, et il y a eu des rires lorsque Dali a dit au garçon B qu'il devrait épeler le nom de son youtubeur préféré, PewDiePie. À part de l'ennui et parfois de la frustration, le garçon B n'avait jusqu'alors manifesté que peu d'émotions ou de détresse. Et ça a changé lorsque les inspecteurs Dali et Gannon ont commencé à lui montrer les preuves trouvées à la maison abandonnée. Le garçon B a avoué au bout du quatrième interrogatoire. Finalement, le détective qui l'interrogeait, pour le choquer un petit peu, lui a montré une photo du corps sans vie de Anna. Une photo un peu floutée. Mais à ce moment-là, l'enfant s'est mis à pleurer, il a craqué. Et il aurait dit: Jésus, c'était l'un de mes amis les plus proches. Vraiment, même le fait qu'il dise Jésus, c'est un peu perturbant, je sais pas. Je trouve que son langage est super élaboré pour son âge. Et là, enfin, après plusieurs heures, le garçon B a expliqué tout ce qui s'était passé. Bon, déjà, ce que je trouve assez horrible, c'est que ce crime était prémédité. On ne parle pas d'un garçon qui a été pris de colère et qui a assassiné Anna parce qu'elle l'avait énervé. Ce serait tout de même horrible, mais vous voyez où je veux en venir. Les deux garçons ont monté un petit plan. Le garçon B devait attirer Anna jusqu'à donc une petite maison abandonnée, en périphérie de la ville. Et en fait, Anna montrait un intérêt, elle était intéressée amoureusement par le garçon A. Donc ça n'a pas été très difficile pour le garçon B de la convaincre de la suivre. Apparemment, donc le garçon A attendait Anna dans la maison, il était déguisé en zombie, il avait des protège-tibias, il avait un masque. Et là, le garçon B serait sorti de la maison et il n'aurait entendu que les cris, donc il n'aurait pas participé activement au meurtre de Anna. Je suis partie et dès que j'ai entendu les cris, j'ai couru. C'était des cris vraiment stridents. Je savais que c'était Anna, mais comme le garçon A était là, je me suis dit qu'elle allait bien. Les cris étaient genre vraiment stridents. Jusqu'à ce qu'il soit étouffé, comme si quelqu'un lui couvrait la bouche. Et donc bien sûr, la mère du garçon B, en entendant ça, a fait une crise de nerfs. Le procès a duré en tout 7 semaines, et après ce procès, le garçon A et le garçon B ont été tous les deux reconnus coupables. Le garçon A, qui était sûrement le plus impliqué dans cette histoire, a écopé d'une peine de 12 ans pour agression sexuelle aggravée, et 12 ans pour meurtre. Et j'avais oublié cet aspect d'agression sexuelle. Et ça me perturbe encore plus. Je sais qu'à 13 ans, on commence un peu à s'intéresser à la sexualité, aux petites filles qui tournent autour de nous, ou aux petits garçons, ou peu importe. Mais là, aller tuer quelqu'un dans l'intention aussi d'abuser sexuellement de cette personne ou de son cadavre, c'est vraiment fucked up. C'est vraiment genre... c'est vraiment horrible. C'est vraiment... ça me perturbe de voir autant de cruauté dans des petits corps de petits garçons, quoi. Et le garçon B a écopé, lui, de 15 ans de prison avec une possibilité de révision de peine au bout de 8 ans. Et si le garçon A, lui, a fini par avouer sa culpabilité et a accepté sa peine, le garçon B, lui, a trouvé la peine injuste. Même s'il a bien sûr clamé, regretté son implication dans le meurtre de Anna, et des deux garçons
garçon, c'est celui qui a exprimé le plus de regrets. Je trouve ça assez perturbant qu'on ne sache rien du tout du garçon A, qu'il ne se soit jamais vraiment exprimé et qu'il ait avoué et accepté sa peine si facilement. Les funérailles d'Anna ont eu lieu le 31 mai 2018. Et en mémoire de ses origines russes, Géraldine et Patrick ont déposé un drapeau russe et une matrioshka, une petite poupée, sur le cercueil de Anna. Comme vous le savez, dans plusieurs pays, quand un coupable est mineur, il est souvent protégé, on lui donne une nouvelle identité et on le réhabilite. Mais certains n'étaient pas vraiment d'accord avec ça et ont posté des photos de ces garçons aujourd'hui ainsi que leurs identités sur de nombreux sites comme Twitter et Facebook. À chaque fois, ces personnes ont été condamnées. Et beaucoup de gens se posent la question de leur réhabilitation, s'ils ont été capables de ce genre de choses à 13 ans. De quoi seront-ils capables à 23 ans? Mais surtout, il y a une grande critique du droit d'Anna à l'anonymat. Si eux ont eu le droit à l'anonymat, ben pourquoi tous les détails du meurtre de Anna, tous les détails de sa vie ont eux été révélés, voilà, sur la place publique, alors qu'elle était la victime? La question, c'est un peu pourquoi le garçon A et le garçon B ont eux eu le luxe de rester anonymes. Mais cette question se pose à chaque fois qu'on parle de coupables mineurs, finalement. Et même moi, aujourd'hui, je ne sais pas vraiment comment me positionner sur le sujet de la réhabilitation, sur le sujet de l'anonymat, c'est très compliqué. Dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je connais à peu près vos avis sur ce genre d'affaires, mais c'est toujours sympa d'avoir les avis de nouveaux arrivants sur la chaîne. Écoutez, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous.